Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France International. Nous sommes à Kinshasa, au Palais de la Nation et notre invité est le président de la République Félix Tshisekedi. Bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur Perelman. Et avec moi pour cet entretien Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le président, bonjour. Bonjour monsieur Boisbouvier. Monsieur le président, les élections sont bientôt, elles sont prévues le 20 décembre. On a entendu Beaucoup de rumeurs sur un possible glissement. Est-ce que ce scrutin se tiendra bien le 20 décembre en temps et en heure Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que le financement est là On a entendu le président de la commission électorale dire qu'il manquait 300 millions de dollars. Oui. Bon, je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question. Mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons nous encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de, de la CENI pour signer le, le Code de bonne conduite et avoir des, faire les derniers réglages, on va dire, pour ces élections. Donc jusque-là, il n'y a pas de, de problème. Maintenant, euh, ce qui reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, la CENI pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. Alors la campagne pour ces élections présidentielles et législatives, euh, ben, elle débute ce dimanche matin. Oui. Euh, et on sait qu'il y a de nombreuses interrogations, Monsieur le Président, sur la fiabilité du fichier électoral. Euh, L'opposition dit qu'il pourrait y avoir plusieurs millions d'électeurs fictifs. Est-ce que le scrutin pourra se dérouler sereinement On sait notamment que euh, il n'y a pas eu d'audit indépendant de ce fichier. Dans quel but euh, des... inventerait-on des... des électeurs fictifs Dans quel but Je ne comprends pas très très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections. Ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans, ce, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication euh, dans ce sens de, de l'opposition. Et euh, en plus, la CENI a fait, euh, a organisé un audit du fichier, avec des personnalités euh, venues de tous de tout bords, euh, des personnalités crédibles, dont euh, la réputation n'est pas à remettre en cause, la probité n'est pas à remettre en cause. Il y a la question des électeurs de l'Est et notamment du Nord-Kivu. Euh, le 20 octobre, en Conseil des ministres, vous avez appelé le, le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour que tous les Congolais puissent voter, compte tenu de la, ce que vous avez appelé la libération progressive des territoires de Massissi et de Routchourou, au Nord-Kivu. Euh, mais depuis les rebelles du M23 ont repris du terrain, euh, est-ce que cela veut dire bah, que le vote ne pourra pas se tenir dans ces deux territoires Malheureusement. Malheureusement pour Uchuru et pour euh, le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Euh, mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer euh, nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leurs localités d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le, 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 le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. 26 candidats pour la présidentielle sur la ligne de départ. On verra combien seront à l'arrivée. Alors, c'est une élection à un tour. Donc, est-ce que la dispersion des candidatures de l'opposition fait de vous le favori logique de ce scrutin Bon, je reste. Serein, modeste, moi, c'est ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Euh, nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique euh, euh, certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour, pour la démocratie. Ce qu'ils font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous pas vous le sentez bien. Le favori Bien sûr, je, sinon je n'aurais pas demandé à, à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. Euh, c'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire. Mais le Congo revient de loin, ça il faut le reconnaître. Tous ceux qui euh, viennent aujourd'hui, euh, après euh, cinq ans de ma présidence, presque cinq ans, me le disent très clairement, euh, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres euh, en, en international le, le prouvent. Je fais ici allusion, au, par exemple, aux agences de, de, de notification qui, qui nous ont maintenant euh, attribué la note de triple B, par exemple. Donc c'est pour vous dire que... Les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à qu être consolidées. Vous défendez votre bilan devant nous, vous l'avez fait euh, devant le Parlement, euh, mais certains de vos opposants, évidemment, ne sont pas d'accord. Moïse Katoumbi C'est le rôle de l'opposition. Oui, mais peut-être que les critiques peuvent être fondées. Par exemple, Moïse Katoumbi parle de coupure d'électricité euh, incessante Martin Fayoulou, Denis Mukwege dénoncent la corruption. Euh, des élites euh, du pays, est-ce que c'est de la pure opposition ou est-ce que malgré tout, oui, il y a des coupures d'électricité, oui, il y a de la corruption ?– Mais les, les coupures d'électricité, c'est pas nouveau. Ce que nous, nous, nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces, ces coupures intempestives et nous le faisons en renforçant les capacités de, du barrage d'Inga, euh, de Zongo 2, je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique euh, là maintenant qui va… Euh, desservir euh, une, une dizaine de, 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 de communes euh, dans kinshasa et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être euh, de clients qui vont pouvoir être euh, accordés maintenant au réseau euh, électrique. donc euh, nous, nous essayons de, de juguler cela. lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, les, il n'y avait que 9% de, 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 de ménages, on va dire, de la population dans la population qui euh, avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20 et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il, il a été gouverneur de, de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en quatre morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait euh, je, je parlais d'ailleurs récemment de, de, de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est, qui est déjà d'ailleurs terminé à, à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant neuf ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des gens, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par le Bumbashi et chercher des, des petits cercueils volants pour arriver à, à, à Coloïsie. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur euh, avion euh, régulier directement sur Coloïsie. J'ai des tas de. de d'exemples comme ça euh, qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon euh, à, à recevoir de, de Moïse Katumbi. Alors il y a une affaire qui défraye la chronique, c'est celle du correspondant de Jeune Afrique Stanis Poujakera. Il est détenu depuis deux mois en prison, il est accusé de diffusion de fausses informations, il risque dix ans de prison. Alors il est accusé d'être à l'origine euh, d'un rapport interne de l'ANR, donc les, les services secrets. Mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet euh, de euh, Chérubin Okende, qui est un proche euh, de Moïse euh, Katoumbi, euh, le journaliste, l'association Reporters sans frontières, ni toute manipulation, monsieur le président. Pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste Je ne suis ni à l'origine, ni euh, euh, en, en train euh, de, de faire que. Euh, ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de, 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 de tirer les ficelles pour qu'on euh, enfonce Stani Boujaquera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que, que sais-je. Si, euh, mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je sais qu'en ce qui concerne euh, cher, cherubin, le, le, le malheureux chérubin Okende, ni mon régime, ni euh, un de mes proches, euh, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à, 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 à donner la mort à ce, à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le, le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent plus que ça, qui, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive Et pourquoi on s'en prendrait à, à Chérubin, le, le, le pauvre Pourquoi, pour, pourquoi le, 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 chercherais-je à, à lui ôter la vie Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi... Euh, une curiosité. Je, je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer euh, au service de renseignement le, la responsabilité de la mort de, de Chérubin Donc ça veut que dire... Le journaliste est responsable Ça veut de dire, ça? dire... Non, non le, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et euh, ensuite, on, on désoriente en fait les, les enquêteurs. C'était peut peut-être ça le but. Alors, il y a un mois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité de, des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui Les craintes sont là, d'accord, mais guerre directe à qui la faute Donc, nous, nous sommes au les victimes. Est-ce qu'on est M. le Président mais, Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans, dans, dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous, nous disons, après avoir appelé plusieurs fois euh, la communauté internationale à, à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, ben, si celle-là tarde à venir, nous allons euh, euh, nous protéger nous-mêmes, nous allons euh, utiliser nos propres... Euh, moyen pour nous défendre, défendre armes, nos populations. Y compris les armes. À votre avis, on, on, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol Des congolais Des milliers. Des milliers Oui, ils sont là par milliers. Par milliers Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23 Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons... Nous, les, les, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je, je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et, 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 et même lorsqu'ils s'amoncellent sont, ils sont pour porter leurs attaques. Nous avons tout. C est, c est, et, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont, ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Ouazalendo, soutenus par votre armée, mm -hmm. ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitshanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Sake et bien sûr de Goma. C'est donc un échec. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le. Ne prendront pas Goma. Pourquoi? Et, mais parce qu'il euh, y aura euh, une réplique de notre part. Ils ne pas. Mais là quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des wazalendo, c'est normal. Les, qui sont les wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ. Des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que en son temps... Ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais... Je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce des sont fous. des héros, pas des, des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, à Gemira, une roumaine, bien Congo bien Protection. Sûr. On bien, parle sûr, de... bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont... Euh, euh, eux-mêmes, euh, soit euh, qui ont eux-mêmes des carrières de, de force spéciale, de commando, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités euh, des forces de, de défense sur, euh, en situation réelle, sur terrain. En se battant ah, Bien sûr, mais ils doivent. Ils sont combien ils, ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien monsieur 900 euh, Par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité. Euh étrangères, hein, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Qu'est-ce quand, quand qu que vous appelez se battre Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de, de football, il joue avec son équipe et Pourtant, il est sur le terrain, il voit, il voit ses joueurs jouer, il est, il est là, il est, les joueurs sont là en train de jouer, et lui, il, il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce, sont pas des mercenaires. Vous avez ce aussi... ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères, euh, mais... d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez trois drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts, pour, euh, pour peut-être euh, obtenir une victoire de prestige avant le, le rendez-vous électoral du 20 décembre D'abord, nous ne les attendons pas. Et, et ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelques temps. Des drones d'attaque, euh, hein Bien sûr, mais euh, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de mal là Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une, une victoire non, militaire non, de prestige non, avant non, le 20 je décembre crois, Je crois que je vous ai dit. Non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Euh, moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Uchuru, pour le Massissi, c'était mort pour euh, les élections en ce moment. Je, je, je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas euh, nous, nous pousser à baisser les bras. Donc l'urgence s'impose. Nos populations sont en, 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 dans des conditions inacceptables, il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc vous voyez que ce n'est pas lié du tout à, à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus à Kinshasa et merci à vous de nous suivre.